aujourd'hui, je donne mon avis sur les produits reçus de la Testabox du mois de mars. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà, donc je donne donc mon avis sur les produits reçus du mois de mars de Testabox. Donc j'avais choisi donc dans les produits sélectionnables donc des croquettes de la marque Veyona. Voilà pour ce toutou. Donc ce que je pense, eh ben je lui ai donné en fait et elle a eu la diarrhée. Ça y a foutu une chiasse, excusez-moi du mot, mais ça y a donné la diarrhée. Donc voilà, de gaz aussi. Donc j'ai pas trouvé ça tellement bien. En tout cas pour elle, ça n'a pas adapté pour elle en fait. Voilà. Ensuite, j'avais sélectionné alors un autre produit, c'était le quinoa aux légumes. Je n'ai pas tellement aimé, c'est moyen, on va dire. Donc voilà, moyen. Et puis le troisième produit en fait, j'avais sélectionné un autre produit, mais c'était des compotes, mais j'avais pas reçu. Ils m'ont envoyé à la place en fait le liquide vaisselle de la marque You à la menthe. Et franchement, ça nettoie rien, ça dégraisse pas en tout cas. Ça sent bon, c'est tout. Voilà. Après donc dans les produits surprises que j'avais donc reçus dans ma box, j'avais reçu donc l'apéro crack de la marque Benelux. Donc ça oui, c'était très très bon. Voilà, c'était bon. Donc ça pas de problème. Après on avait reçu un jus de fruits la marque Kairébos Ananas. Et bah c'était très très bon. Oui, pas de problème, on a bien bu, c'était très bon. On avait reçu les chips de la marque Lay, donc la gamme gourmet. Donc oui, c'était très bonne. Voilà, bon, c'était bonne sans plus. Hein, voilà. J'avais reçu le produit la marque You en nettoyant multi-usage. Donc là, pareil, je suis déçue parce que bah ça dégraisse pas, ça nettoie pas bien. Franchement, par rapport à mes autres produits que j'ai déjà utilisés, d'autres produits d'autres marques, voilà, ça nettoie beaucoup mieux, ça fait mieux briller que là. Bon, ça nettoie, mais c'est tout, quoi. Donc, ça sent juste la menthe et c'est tout. Donc, ça, je suis déçue. Après, j'avais reçu les petits pains. Alors, en fait, ce sont des petits pains au lait, mais c'est des pains au lait pour faire des sandwichs. Donc ça, oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, avec du beurre et du jambon, c'était très bien. Donc ça, impeccable. Je ne connaissais pas et si un jour j'ai besoin d'en acheter pour faire des sandwichs salés, et c'est ce que je prendrai. Voilà, le produit mystère, je n'avais pas reçu. Donc je les avais contactés. Ils m'ont donc crédité de 300 points, voilà, en cadeau. Donc voilà. Voilà, donc pour mon avis sur les produits, donc c'est ben, moyen, on va dire, parce que bon, le produit d'entretien You, plus le produit vaisselle You, ben j'ai pas aimé. C'est pas terrible. Et puis le quinola, ben c'était pas terrible non plus. Et puis les croquettes pour chien, ma chienne, bon, on les a mangées, mais elle a été malade, elle a eu la diarrhée. Voilà, je vous dis à très bientôt pour l'ouverture de la Tectabox du mois d'avril. Salut! Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une ouverture, la Tectabox. La Tectabox. Voilà. Nous allons l'ouvrir sans plus tarder, découvrir les surprises. Comme chaque mois. Donc, la Tectabox du mois d'avril. Alors, toujours avec le papier de protection. Voilà. Allez, on y va. Donc, j'avais choisi dans les produits la colle, en fait, à la pâte à réparer flexible. Voilà. Donc, je vous mets comme à chaque habitude le tarif, la valeur reçue. Donc, alors, c'est une pâte à réparer, en fait, pour réparer. Tu peux réparer aussi.
Voilà, les fils, les choses cassées, quoi. Donc, on testera. Hein, c'est aussi collé tout à l'heure. Apparemment, c'est une pâte blanche. Genre, voilà. Donc ça, je vous dirai ce que j'ai pensé du produit. Mais c'est très bien. Alors là, j'ai donc le petit... Bah, c'est le menu, en fait. Donc, je ne regarde pas. Alors, ensuite, des bonbons. Ah là là, des bonbons. Mawam, pinball. Alors, qu'est-ce que c'est ? Des pinballs sans colorant artificiel. Le bonbon tendre au goût de four jusqu'au bout. On va en goûter un. Nous allons en goûter. Des bonbons. Alors, allez, je prends l'important. Donc là, il y a trois petits bonbons. En fait, il est tout sachet de trois bonbons. Dedans, en fait, il y a à l'intérieur du liquide. Sept portions. Sept petits sachets. Allez, vas-y, tu goûtes. Trois jaunes. Attends, je monte. Voilà, j'ai envie de petites. Des petites boules. Voilà. Allez, on va goûter. Étienne, t'en veux? Tiens. Goûte à l'intérieur. C'est très bon. Donc, le bonbon aux fruits. Mmh. Voilà, sans colorant. Mmh. Ouais, c'est bon. Très bon. Ok, good. On y va. Hein? J'en ai deux. Ils m'ont envoyé deux. J'ai reçu un deuxième comme ça. Bon. Tant mieux, hein. Est-ce que c'est une erreur de leur part? Je sais pas. J'en ai deux comme ça. Si vous aussi vous recevez la tête à boc et vous avez reçu, pareil que moi, deux loctites. Bon, vous me dites en commentaire. On est parti. Alors après là. Oh les chips, oh là là. Voilà, regardez. C'est pareil, nature, nature. Des chips. La marque lait. Après, je regarde. Méditerranée. Nature. Huile d'olive. Ouais. Celui-là. Huile d'olive, pareil. Donc, deux petits sachets. Bon, on va pas goûter. Oh, s'il te plaît. Tu veux goûter? Mmh. Deux petits sachets comme ça. Alors, tu vas goûter, moi, je vais pas goûter parce que j'ai encore le bonbon dans la bouche. Tu vois l'odeur? S'il te plaît. Eh vas-y, goûte. Eh, goûte parce que j'ai encore le bonbon là. Alors, c'est bon? Très bon. Mmh. Deux petits paquets de chips. Good encore. Good. Ensuite, alors c'est une boisson. J'en ai deux, non. Alors une boisson mojité, cocktail, thé vert. Je ne suis pas trop thé comme ça. Mojité, voilà, au thé vert. Bon, là, quand quelqu'un aura à la maison, je ferai à ce moment-là. Je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est chaud. Et je sais que j'aime pas trop, donc ça sert à rien que je goûte. Donc voilà, une boisson. Allez, on ouvre. On a autre chose. Ensuite, alors là, on a un produit, la marque Baran, l'Imper Basket, imperméabilisant tache et puits. Toute matière et tout coloris. Alors, en fait, c'est pour imperméabiliser, en fait, les chaussures en toile, en fait. Hein. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce que j'ai des baskets. Et c'est vrai que des fois, j'ai les pieds mouillés quand je vais dans l'herbe, tout ça, qui est toute mouillée. Et je vais tester, en fait. Voilà, ça imperméabilise, en fait. Et voilà, donc, contre les taches et la pluie. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. En plus, tout coloris. Donc, ça, je vais tester. Papa. Ensuite, on a deux petites boissons. La marque Lipton, saveur pêche istée. Donc ça encore, ça passe. Ça j'aime bien. Ça, je peux le boire. Mais c'est pas voilà. Il n'y a pas d'alcool. Non, il n'y a pas d'alcool. D'ailleurs, il faut goûter. C'est une petite boisson, mais c'est chaud. Hein. Faut mettre au frais. Donc ça, c'est une boisson saveur pêche istée. Donc ça, j'aime bien. Ice tea. Oh là là.
Donc ça, voilà, deux petites canettes en fait. Une petite canette de 15 centilitres. Ça, ok. Ensuite, on a une boîte. Alors ça, c'est ce que j'avais choisi d'ailleurs dans le produit à sélectionner. C'est Muti, c'est donc des tomates, c'est du concentré de tomates. Alors, je ne me trompe pas. Ouais, c'est concentré de tomates en fait. La marque Muti. Voilà, concentré de tomates en boîte. Voilà, 100% tomates. Ok, bon, bah, on testera. Hein. Ensuite, un liquide vaisselle. Alors, j'en avais entre le produit You que j'ai reçu et justement, je n'aime pas trop parce qu'en fait, ça nettoie rien. Ça ne dégraisse pas. Voilà, ça nettoie, mais ça ne dégraisse pas. Produit You. C'est voilà, moyen, moyen. C'est agréable, l'odeur, tout ça, l'odeur menthe. Bon. Donc là, ils m'ont envoyé donc le Mire Vaisselle. Secret du monde, grenaille hibiscus, dégraissant. Donc celui-ci, je pense que celui-ci sera mieux. Voilà, en plus le mire, bon c'est connu. Donc celui-là, ça peut être sympa, en plus tu peux tout nettoyer avec. Hein. Pas spécialement la vaisselle, hein. On peut tout nettoyer avec le mire. Hein. Voilà, je testerai. Voilà, bon c'est sympa, plutôt sympa. Voilà. Ok, ensuite... Alors, j'ai reçu des tomates séchées, une barre salée. Ah. Oula. Une barre salée, je te présente comme ceci. Barre salée, tomates séchées. Alors, j'ai envie de goûter. C'est des premières barres béton délicieuses, à la fois diététiques et délicieuses. Bon. Pas ça, ça. Sans gluten et sans lactose. Mes petites fruits. Allez, on va goûter. Je vais goûter. Et je vais goûter aussi pour voir, mais à mon avis, ça ne va pas. C'est une barre. Ça sent la tomate. Voilà. Tu vas voir l'odeur. Tiens, sent. Tiens, goûte. Ah, c'est bizarre, goûter. Ça sent les gâteaux d'apéro. C'est beau. C'est spécial. Hein? Bof. Mais bon. Bof. Exactement. Bof. En fait, une barre nutritionnelle, 50 grammes pour deux barres de 25 grammes. En fait, je pense que c'est pour. Ah, j'aime pas trop. Moi, je trouve que c'est ça va. Pour remplacer un repas, peut-être, je sais pas. Bof. Mais bon. C'est des barres salées en fait. Au lieu de manger des barres sucrées, c'est des barres salées. Voilà. Ça, ça se mange, mais je n'aime pas trop. Voilà, donc c'est ceci en fait. Ça se mange. Tomates séchées et olives. Bon, moyen, moyen. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. On va regarder le côté menu en fait. En avril, le printemps est enfin là avec TectaBox. Donc. Les produits sélectionnables, donc j'avais donc choisi l'eau répare en fait, j'en ai reçu deux, voilà j'en ai eu deux. J'avais choisi ensuite la boîte, voilà, concentré de tomates, ça ok. Je crois que c'est deux produits qu'on choisit, voilà. Après, bon ben on a eu donc le mojité. Ok, on a eu la barre moyen, alors ça c'est bof, bof quand même, pas terrible. Ouais, c'est bizarre. Les deux petits paquets de chips, ok. Le mire, ça c'est pas mal, oui. Alors moi je trouve que c'est bien. Les mahomam, ça c'est pas mal. Ça c'est bon. Ensuite, on a eu les deux petites canettes Lipton pêche, voilà. Et puis ensuite, le produit imperméabilisant Baran. Ça, c'est pas mal aussi. Pour protéger les baskets, même les sacs à main en tissu. Bon, on essaiera. Moi, je dis 8 voilà, sur 10. Voilà, donc, la note. 8 sur 10 pour moi. À part les bars, j'aime pas trop. Et la boisson,
Cocktail, thé vert, pas trop. Je dirais un 7 sur 10. En Voilà, vrai? donc, bon, ils m'ont rajouté deux produits Loctite. Bon, bah, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Hein. C'est sympa. Voilà, bon, bah, écoutez, si ça vous donne envie de vous abonner, ça coûte 16,90 €. Sachez que grâce à mon code de réduction, vous pouvez bénéficier de 6 euros. Donc, au lieu de payer 16,90 €, vous ne paierez que 10,90 €. Voilà. Voilà. Donc, bah, je suis plutôt contente. Ça va, c'est bien. Et voilà. Donc, on va tester les produits. Je vous dirai à une prochaine vidéo ce que j'ai pensé. Et je vous dis à bientôt. Bye bye! Bye bye!